T'es expert en Rummikub en plus d'être explorateur, mec. Ouais, il faut que des fois que mon cerveau marche. Mais c'est un tout petit peu. Mais tu vois, j'ai presque là. T'arrives presque là. Mais presque, c'est pas là. Mais on va arriver. Fini. Joli. Ah mais non. Voilà, bonjour tout le monde. Parce qu'on est sur Pangaea, j'ai décidé de faire un petit tuto sur les nœuds. Et puis il y a des nœuds essentiels qu'on utilise toujours sur un bateau. Pourquoi vous montrer comment faire des nœuds? Tout simplement parce que je veux faire un petit concours où vous pouvez gagner en place de venir naviguer avec moi sur mon bateau avant de partir en Groenland. Et puis, il faut rester connecté et il faut vraiment essayer de faire du nœud parce qu'une fois que vous êtes sur mon bateau, c'est là où il ne faut pas être un blaireau, il faut savoir donner un coup de main, faire du nœud et être actif. Stay tuned. La première nœud qu'il faut savoir faire, c'est un nœud de chaise. C'est un nœud qu'on utilise un peu partout sur un bateau. Pourquoi c'est un nœud important? Tout simplement parce qu'il est tellement facile à faire et puis il est tellement facile à de faire. Même si on a mis énormément de charge sur cette nœud, on peut le facilement défaire. Et sur un bateau où on doit border des voiles, où il y a tellement de tension une fois que les voiles sont en haut en navigation, on doit avoir toujours la possibilité de faire un nœud qui ne se bloque pas autour de lui-même, mais qui se défait facilement. On a une corde, on passe On passe et voilà. Pour faire cette nœud de chaise, on passe cette boue court sur la boute. On fait un boucle. Ça, c'est un souris qui sort de son trou, qui va passer derrière l'arbre. Et là, il voit un chat énorme qui veut le bouffer. Et il rentre tout de suite dans son trou. Et là, il est bien chez lui. Ça, c'est un nœud de chaise. Pour quelqu'un qui a du temps de se préparer, et tout d'un coup, tu dois vite attacher un bout d'amarrage autour de quelque chose, c'est là où on peut se préparer avant de partir. On prend notre bout comme ça, on fait un boucle. Après, on se prépare comme ça. Et là, on peut attendre. On arrive où on va attacher, on passe notre petite boucle, notre corde dans la boucle, et là on tourne notre nœud, et puis là on peut tirer comme un bête si tu veux, et puis c'est facile à se défaire. Avec quelques essais à la maison, vous allez prendre l'habitude, et puis le plus qu'on répète, le plus facile les nœuds et de faire. Et moi, je peux faire facilement un nœud comme ça. Voilà. Vitesse réelle. Vitesse réelle. Donc, faut vous préparer si vous voulez pas vous faire engueuler par Mike sur le bateau. Ouais. Autrement, vous allez vous retrouver dans l'eau. Maintenant, je vais vous montrer en pratique où cette nœud est utilisée. Là, il y a un exemple typique où je veux attacher les coutes de ma grande voile au point de tirage. Ça, c'est un endroit idéal pour vous montrer l'application de cette nœud de chaise où il y a énormément de pression. Il y a jusqu'à 8 tonnes de pression dans ma voile. C'est pour ça, d'abord, on a cette boute qui passe dans les poulies pour qu'on a beaucoup plus de force
quand on commence de wincher, ça veut dire que c'est encore une fois, deux fois, qui va trois fois à ces points de tir. Et ça multiplie chaque fois l'effort qu'on peut faire. Ça veut dire qu'on doit vraiment wincher beaucoup pour qu'on puisse ramener notre boom au milieu. Pour ramener notre boom au milieu, on doit faire un nœud de chaise. On passe notre bout dedans. On fait notre nœud de chaise. Et maintenant, je peux border. Ça veut dire que je veux ramener du boom au milieu de mon bateau. L'autre chose qui est importante quand vous allez arriver sur mon bateau, c'est de savoir comment on met cette écoute autour d'un winch. On voit toujours qu'un winch, il tourne dans le sens d'une aiguille de montre. Et il faut toujours mettre minimum 3 tours. Avec 3 tours, on peut déjà mettre pas mal de pression. Moi, personnellement, parce que j'ai un grand bateau où il y a énormément d'efforts, j'aime bien mettre un 4e tour. Et quand on a beaucoup de pression dans notre grande voile, avec 4 tours, on peut choquer avec beaucoup plus de sécurité notre écoute. Si on veut ouvrir la voile un peu, et là, gentiment, je peux mettre la pression et la grande voile, il va être bordée au milieu de notre bateau. Les écoutes sur un bateau, c'est pour nous donner la possibilité d'ajuster notre voile par rapport à la direction qu'on veut prendre et la direction du vent. C'est pour ça que c'est très important de savoir qu'une écoute est toujours un mouvement. Maintenant, on est au port et puis on ne peut pas avoir un bordel de bout partout sur le bateau. Et c'est pour ça que c'est important toujours de bien ranger. Et on le fait tout simplement autour du winch comme ça. Et là, il n'y a rien qui traîne par terre. On ne peut pas se mêler nos jambes, nos pieds là-dedans. Et c'est tout propre. Je dois mettre ces drisses en tension pour qu'ils ne se mêlent pas avec les autres drisses. Et c'est pour cette raison que je vais vous montrer un nœud qui est fait tout simplement en faisant un nœud qu'on s'appelle en anglais un tracker's knot. On prend notre drisse qui a passé dans la poulie, on prend notre drisse qu'on veut mettre en tension et on fait un premier loop comme ça. Ça maintenant, on va faire un demi-boucle comme ça et avec cette boucle, on va passer dans l'autre boucle qu'on a fait et là maintenant, on peut tirer là-dessus pour mettre en tension la drisse. Je vais vous montrer encore une fois. Je passe la corde comme ça, je prends, je fais un boucle comme ça, ici je fais un autre boucle, je passe en boucle dans l'autre et avec ça je peux tirer comme une brute, comme je veux, et là je le bloque. Et on voit bien que nos drisses, elle est rangée en tension. Une manière de vite ranger la chute des drisses, c'est de faire comme ça. Ensemble, je fais 2-3 tours autour. Je le passe là-dedans. Et là, au port, tout est
nickel bien rangé. Quand on arrive dans un port et puis on doit amarrer notre bateau, c'est là où on doit travailler 10 fois très rapidement parce qu'il y a du vent et il faut sécuriser notre bateau. Imagine, on a les bouts d'amarrage et ils sont amarrés sur les pontons. Il faut aller à l'opposé de où la corde arrive. On voit qu'on passe pas là, on passe ici. Maintenant, il faut rapidement faire un tour mort, mais on passe pas là, on passe sur notre bit d'amarrage. Après, on fait un tour. Et ici, il faut virer la corde et ça, c'est comment on amarre un bateau. Très simple, très facile à se défaire. Voilà, là j'ai beaucoup trop parlé et puis c'est l'heure des apéros ou d'aller manger des cookies. J'espère que cette vidéo était un peu instructive et ça va vous motiver de faire des nœuds à la maison. Comme ça, quand vous allez arriver sur Pangaea, que vous êtes vraiment utile. Good, merci beaucoup. On y va. On va aller manger des cookies. Tu nous fais grossir, Annika. Bah oui, comme d'habitude. Hein. C'est un peu obligé. C'est la spécialité d'Annika, c'est les chocolate chip cookies. Donc voilà. Quand je suis sur le bateau, j'adore faire un peu de pâtisserie parce que j'aime trop cette cuisine et Pabs, il adore les pâtisseries. Donc, pendant les expéditions, en fait, à l'époque, c'était ma mère qui faisait des brownies et tout pour préparer ses rations, pour mettre plein de calories en fait dans sa nourriture. Oh. Et puis souvent, avant les expéditions, c'était un bordel énorme. Il y avait du chocolat partout, des brownies, des noix, des fruits secs. Et ensemble, on préparait les rations journalières pour Pabs pendant ses expéditions. Et j'ai un peu pris la relève, parce que j'adore être en cuisine et surtout faire des pâtisseries. Et merci, Pabs, Annika. Il se pose toujours avec moi en cuisine. Moi, je suis là parce que... À côté du chocolat. Je dois chauffer le chocolat. Pas trop, autrement ça fondre dans les brownies et puis les choc chip cookies. Mais les gens qui vont venir sur mon bateau bientôt, il faut qu'ils amènent aussi une recette qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Oui. Parce que chacun doit participer au fonctionnement du bateau. Autrement, ils ne montent pas. Faut mériter sa place ici. Voilà. Faut bosser. Mériter. On a aussi un orchestre et puis un band ici. Non, c'est mal. Et moi, je joue la harpe et puis le mixeur. On voit que mon lit il est toujours pas fait. Je me suis fait lyncher la dernière vidéo. C'est scandaleux. Et aussi voilà, pour les futures personnes qui viennent à bord, toujours faire son lit le matin. Sauf Etienne, il a une autorisation spéciale. Mais bon, c'est seulement parce qu'il fait des super belles vidéos. Voilà, c'est incroyable parce qu'il y a un jeune qui a son anniversaire aujourd'hui et je voulais donner un couteau et un t-shirt Mycon. C'est son anniversaire. Il attend juste là. Ouais, il est là. Juste là, mais il sait pas encore. Il sait pas encore. On va... J'ai trouvé deux cadeaux pour toi. Voilà. Bon anniversaire. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Enchanté de vous rencontrer. Bonjour, comment ça va? Ça va. Voilà, ça c'est un couteau que j'ai fait avec les déchets que j'ai ramassés. D'accord, super. Et ça c'est un t-shirt, c'est une couleur un peu moche, mais il y a notre logo, c'était un peu officiel parfait. Pour les cadeaux. Super. J'espère que ça va bien. C'est super gentil, ça fait énormément plaisir. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Franchement, super, ce que vous faites, on adore. C'est un bricole. Ouais.